Hey salut à tous after j'espère que vous allez tous très bien On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecrafter Et du coup bah, on est parti encore une fois donc sur Minecrafter Comme tous les mercredis et les samedis euh, Oui et les samedis effectivement euh, Donc j'ai été chercher un petit peu de nourriture hein, en, en, en off j'ai trouvé euh, des cochons J'ai trouvé des vaches mais je les ai pas prises parce que je compte en faire dans un épisode euh, de... Un élevage tout simplement, euh, donc euh, je les ai laissés là comme ça. Après, on va aller les chercher et euh, comme ça, on sera pépère. Donc, euh, souvenez-vous, épisode précédent, on avait été là-bas. On avait trouvé, enfin, euh, on avait même fait euh, des, des petites épées, tout ça. Euh, un petit équipement, et là, j'ai un power 1 qu'on va même euh, améliorer tout de suite. Euh, si vous le voulez bien, on va améliorer ça. Euh, et puis aujourd'hui tout simplement on va essayer de se faire une petite salle des coffres voir un petit peu s'il y a différents coffres qui nous sont proposés Alors je vais regarder euh, Je sais pas si j'ai le jeu en anglais Mais euh, je pense l'avoir en anglais Alors hop on met un petit power 1 et on se fait un petit power 2 6 niveaux C'est pas très très cher non plus euh, Oups voilà Comme ça c'est bon euh, Donc 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 on va regarder déjà qu'est-ce qu'on a donc coffre déjà en majuscule c'est chaud euh, on va regarder chest euh, et ah oui c'est vrai on a différents chests euh, on a en diamant ça peut être intéressant d'en avoir en diamant euh, en diamant c'est comment c'est avec 4 diamants et un bloc de diamants non c'est trop pour moi donc je vais faire des blocs enfin euh, je vais faire en or tout euh, simplement je oui je, je pense j'ai pas mal d'or donc on va déjà se faire euh... on peut déjà s'en faire 8 on va s'en faire 8 donc hop encore un petit bloc comme ça et c'est bon. Il me faut maintenant 8 euh, coffres tout simplement. Donc on va faire ça. Et ça, on a 8 coffres. Et euh, maintenant on doit faire ça. Qu'est-ce qu'on doit faire autrement euh, Diviser par 4. Est-ce qu'on en a 8 oh, C'est bon. Hop hop hop. Donc ça veut dire que ça en met là. Ça en met là. Ah même non, divisé par 3, donc c'est bon, on en a assez. Euh, ok, donc on va éviter de tout foirer non aussi. Et qu'est-ce qu'on a... D'autres. Ah, mais oui, j'ai tout lâché. Je, je suis bête. Je, on n'est pas sur, euh, sur l'autre série. Euh, et voilà. Ça, il nous faut ça. Donc. Donc, 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 donc. donc, donc 8, 8. Euh, 1, 2, 3. Bon, écoutez. Je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Comme ça, nos coffres, on les a. Et euh, on va faire 1. Euh, what? Ah non, d'accord, oui, bah non, en fait, il nous faut. Euh... D'accord, d'accord. Hop, voilà, comme ça. Et il nous faut. Euh... Voilà, il nous faut ça. 8, 8, et 8. Voilà, on a 8 coffres en, f... euh, en, en, en or. Du coup, regardez un petit peu la place qu'on a. Euh, on a un peu plus. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sur 3, et là, on a. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aussi, oh, mais comment ça se fait Je pense que c'est plus résistant en fait. Je pense que ça doit être ça. Ça doit être beaucoup plus résistant que euh, normalement. Alors attendez, à tester, mais je sais pas si avec quoi qu'on casse. Euh, d'accord. Donc normalement, ça doit être plus résistant. Bon, oh, bah, d'accord. Je me suis fait chier à faire des coffres en, en or pour rien. De toute façon, l'or, ça me sert pas à grand chose pour le moment. Euh, on fera sûrement des pommes d'or. D'ailleurs, il m'en reste à cuire. Donc hop. Et puis c'est vraiment quelque chose qu'on trouve très facilement. L'or, donc euh, voilà, comme ça. C'est bon. Euh, on va commencer tout doucement une petite salle, euh, une petite salle euh, des coffres. Donc on va la faire euh, en dessous. Je pense. Voilà, faire en dessous. Hop, voilà comme ça. Et euh, on va utiliser de la. Enfin, je pense qu'on va utiliser des blocs de Chisel. Euh, simplement. Pourquoi Parce que Chisel c'est un mode qui rajoute pas mal de choses. Et euh, il faut utiliser ces choses parce que c'est vraiment très beau. En fait, on peut changer le design de certains blocs euh, rien qu'avec un mode. Donc c'est plutôt sympa. Donc euh, moi, je vais commencer tout doucement à creuser euh, la pièce. Que on va faire Je sais pas si en fait on va faire euh, Genre un... un escalier Je vais regarder un petit peu aussi si les échelles elles passent Pas les échelles normales mais les échelles euh, Que le mode rajoute Alors je vais regarder si ça passe euh, Normalement il devrait peut-être m'en rester quelques unes pour vérifier Si pas je casserai Bah ben non il m'en reste pas je suis bête euh, Mais je casserai une ou deux échelles juste pour voir si on peut Toujours passer avec les échelles Et on va essayer peut-être de créer un petit système Qui nous permet que dès que On a envie de créer une échelle euh... Mais, oui, mais ça, je vais peut-être le garder pour, euh, autre... enfin, pour un autre moment en fait. Parce que... Euh... En fait, si vous voulez, il y a un système avec le mode qui fait qu'on a le droit de... Par exemple, il n'y a pas d'échelle à un endroit, on appuie sur un bouton, hop, il y a l'échelle qui descend. Et comme ça, on est tranquille à ce niveau-là. Comme ça, on a une échelle. Ça, c'est un mode plutôt... Bah, c'est cool, mais le truc, c'est que je sais pas si on peut le faire... Euh, ici ça fonctionne euh, surtout sur des petites euh, plateformes comme ça en fait Donc euh, je vais regarder tout ça et puis il va falloir que je commence tout doucement à faire donc la pièce parce qu'on va faire une assez grande pièce je pense euh, Parce qu'on peut faire plusieurs compartiments En sous-sol en fait on est vraiment libre de ce qu'on veut faire Donc euh, en sous-sol on pourra faire euh, je sais pas une genre de petite bête cave Même si c'est pas vraiment le but de la série on, on pourra faire euh, des choses euh, plutôt belles hein. Je pense qu'on va, qu va utiliser euh, chisel je, Oui je pense même bien et je pense que c'est sûr et donc la salle a avancé. Euh, je vais pas vous montrer. Bah je peux vous montrer mais oh, allez, je vais vous montrer. Mais c'est parce que je suis parti sur un autre projet en attendant. En même temps d'ailleurs. Euh, donc voilà, j'ai fait du euh, 6 sur 6. Voilà, c'est un carré tout simple. Euh, tout simplement parce que j'ai un autre... Enfin j'ai un projet en fait en parallèle qu'on va faire. Euh, c'est d'agrandir donc la maison. Et l'agrandir, mais pas euh, de manière médiocre. C'est de l'agrandir mais vraiment bien. Alors j'ai déjà commencé. Euh, tout simplement j'ai déjà commencé regardez ça donne déjà plutôt bien je vais continuer à mettre un, enfin, à terraformer un petit peu euh, histoire de bah, que ça fasse vraiment naturel en fait je veux garder ce côté naturel tout en ayant ce que je veux de toute façon donc euh, le truc c'est que euh, il va falloir à un moment ou un autre euh, terraformer et je pense que le moment est bien arrivé donc euh, du coup on va agrandir la maison un petit peu plus parce qu'en fait je voudrais une descente de enfin je voudrais ici un trou de 4 Que je puisse avoir un trou de 4 euh, Simplement pour mettre des escaliers ou de l'eau Ou je ne sais euh, quoi Mais euh, pour avoir quelque chose en fait Du coup il va falloir que j'agrandisse vraiment tout euh, Je commence à agrandir Vraiment euh, bah, Il le faut en fait parce que je vais agrandir euh, La maison mais vraiment de beaucoup Donc voilà euh, dites moi un petit peu euh, Si enfin euh, ce que vous en penserez je vais pas à mon avis finir la maison dans cette vidéo, je pense pas, parce qu'il y a beaucoup de choses que je dois faire pour euh, la finir la maison. Je dois avoir euh, beaucoup de terre et je dois terraformer énormément. Je dois avoir une idée déjà aussi parce que bon bah... J'ai l'idée, en gros j'ai l'idée, mais euh, je sais pas si ça va être beau en fait, c'est surtout ça. Donc voilà, je j'espère je, en tout cas que ce sera beau et je vais aller chercher de la terre là où il y a donc des euh, crevasses, hein, c'est-à-dire euh, là où il y a des... Non des, des mines, plutôt. Peut-être un peu mieux euh, Là où il y a des mines euh, Je vais aller chercher la terre là Parce que j'ai pas envie de euh, D'abîmer tout simplement le paysage euh, Du coup voilà Vous avez vu que la mine Enfin que la pas la mine La, la salle des Enfin la salle L'étage du dessous en fait On va pas l'appeler la salle des coffres Mais euh, l'étage du dessous Parce que au début ça va être une petite salle des coffres Après on va l'améliorer Je compte pas non plus faire des trucs de malade Mais euh, il nous faut donc la salle des coffres Et également la salle des euh, des petits, euh, petits euh, porte-armure en fait si vous voulez de, où là où on a euh, donc nos, jeux, nos objectifs de réaliser euh, Ça veut dire euh, d'avoir par exemple toutes les armures déjà C'est déjà un, obje un objectif donc euh, bah voilà il va falloir l'avoir euh, Et donc ben bah, tout simplement euh, On va s'y attaquer On va s'y atteler euh, Je pense que c'est une bonne chose euh, Du coup du coup, du coup, moi je vais encore avancer. Je vais peut-être faire un petit truc avec vous, c'est-à-dire que, regardez, je vais vous montrer. Hop, 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 hop. Euh, ici ça cuit, ça cuit, ça cuit. Euh, bah, je peux déjà le prendre. Hop, hop, voilà. Voilà et voilà. Euh, J'ai en fait besoin euh, ici. Je suis en train de juste améli euh, améliorer entre guillemets le design. Je suis juste en train euh, de le mettre au propre si vous voulez. Donc je fais ça comme ça et je mets au plafond euh, tout ce qui est euh, comme pierre lisse, etc. Histoire qu'il ne reste pas de terre, qu'il ne reste euh, vraiment que de la pierre lisse. Comme ça, après, on peut repartir sur de bonnes bases. C'est à dire qu'on pourra repartir sur. Euh sur du... sur du... sur de la pierre lisse et comme ça après on pourra envisager un style de design et ce sera beaucoup plus clair entre guillemets beaucoup plus net euh... moi je préfère travailler comme ça quand je travaille sur une salle je préfère que tout soit propre la mettre propre directement et après on peut partir sur de bonnes bases donc euh, voilà c'est... j'avance 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 hein euh... Pas croire, j'avance petit à petit, ça met quand même longtemps à creuser toutes ces salles et à récupérer beaucoup de matos euh, pour euh, notamment... Bah de Pour notamment du terraforming, ça prend beaucoup de temps donc euh, tout simplement je suis en train de euh, regarder à cela et on a bientôt rempli toute la salle de pierre euh, lisse. Il me faut, il manque encore quelques, quelques trucs, quoi, mais pas grand chose. Euh, voilà, et euh, ici alors attendez, il manque voilà, ici donc on va tirer ça, euh, hop, comme ça, et il manque ici parce que ici je pense que j'avais miné ou je sais plus ce que j'avais fait ouais j'ai descendu aussi la salle d'un étage donc euh, pour vous dire comme ça ça m'a fait euh... enfin comme ça au moins on n'a pas euh, les petites gouttes d'eau entre guillemets genre c'est humide euh... voilà je préfère euh, du coup du coup du coup je vais poser moi des torches comme ça c'est peut-être mieux donc on va poser euh, hop, tout autour si j'y arrive hop voilà tout autour comme ça on sait que c'est ici euh, notre euh notre milieu euh, quand on travaillera dans la salle et du coup moi maintenant je vais récupérer beaucoup de terre je vais essayer de terraformer, euh, terraformer correctement le truc parce que j'ai toujours envie en fait que la maison j'ai envie que la maison soit grande mais qu'elle rentre un petit peu dans la terre en fait dans la montagne si vous voulez euh, du coup je veux que ce soit plutôt stylé et ben du coup je pense qu'on va s'attaquer à ça on va s'y atteler et donc euh, je fait ça et on se retrouve un petit peu plus tard. C'est le temps de récupérer tout, les, tout le matériel et, euh, et de commencer tout doucement parce que c'est vraiment pas quelque chose de passionnant en vidéo. Du coup, voilà. Et donc, on va plus s'attaquer dans cet épisode. Et euh, eh bien, tout simplement à la cave, enfin à la cave, euh, juste à notre deuxième, enfin à notre sous-sol si vous voulez. Euh, donc, à l'étage moins 1, on va juste aller chercher. Une petite chose qui me... Enfin que j'ai envie d'aller chercher tout simplement. C'est de la glowstone. J'en ai extrêmement besoin en fait. Tout euh, simplement parce que euh, on va mettre donc de la glowstone. Euh, juste... Euh, on va en mettre un. What? Un tout petit peu. Vraiment un tout petit peu. Du coup j'en ai besoin de quelques-unes. Mais euh, ouais, J'en prends en fait juste pour ne pas devoir retourner après. Mais sinon, voilà. Là je... Ouais, je peux me prendre de la glowstone. J'en ai l'occasion, donc je la prends, mais sinon... J'en ai pas vraiment besoin. Ah mais en fait, depuis tout à l'heure, je ne l'ai pas pris. D'accord. Donc en fait, on va aller la chercher. Hop, 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 hop. Voilà. Donc voilà, je la prends. Ok, c'est bon. Je peux déjà faire euh, trois trucs comme ça. C'est bon, je pas besoin de plus. Et du coup, on va remonter. On va mettre un petit peu de lumière ici parce que... Ici, c'est pas vraiment éclairé. Euh, donc on remonte. Et euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'attaquer à notre... Euh, bah, comme je vous l'ai dit, à notre... Euh, à notre cave. Euh, alors, j'ai eu quelques petites idées qui me sont venues par-ci par-là. Du coup, on va, on va voir, on va voir un petit peu ce que ça donne. Surtout, c'est surtout le, le résultat final qui m'importe hein, évidemment. Euh, mais il faut voir un petit peu. Alors, comment on monte ici Voilà, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. C'est bon. Je suis en haut normalement. Ah bah non. <laughs> Ok. J'ai déjà préparé. Donc, comme vous le voyez, d'accord. J'ai jeté ma pierre. C'est génial. Voilà. Euh, j'ai déjà préparé donc quelques, euh, quelques éléments, quelques ingrédients. Euh, et on va déposer ça là comme ça. Hop, hop, hop. on va passer par là, c'est beaucoup plus simple si on fait comme ça. De fonce tout, nous on s'en fout. Hop, voilà. Euh, donc j'ai déjà pensé à faire quelques petites choses. Euh, pour l'instant on va juste installer de quoi mettre euh, donc les coffres. Euh, là par contre j'ai pas... Let's go! Ouf, purée, j'ai eu peur. <laughs> Donc, euh, ouais, on va juste mettre les coffres. On va déjà faire un petit peu de design avec euh, les blocs de chisel. Mais euh, on va voir un petit peu euh, ce que ça donne surtout. Ah, ça fait mal ça, ça picote. Et on va voir ce que ça donne. Euh, on, va, on va tester quelques petits trucs. Hein. J'ai déjà normalement un petit peu de quartz qu'on peut essayer. J'ai euh, des blocs du nether, que c'est toujours euh, bah, sympa d'essayer quoi. Et euh, ici, donc comme je vous avais dit, j'avais besoin de ça tout simplement parce que on va mettre en bas à la place de ça, on va mettre ça comme ça et comme ça, ça éclaire un petit peu. Peut-être qu'on mettra une, une torche de redstone, enfin une, une une lampe de redstone, mais euh, pour l'instant, je préfère mettre ça. Est-ce que chisel euh, Déjà, on va poser les, les coffres. Donc pour l'instant, on va en mettre juste. Euh, euh, on va les mettre... Euh, on va mettre un là. On va en mettre un ici. On va en mettre un ici. On va en mettre un ici. Voilà, déjà bien. On a quatre coffres. Euh, et maintenant, bah, tout simplement, on peut en mettre... Euh, je sais pas. On peut, on peut en mettre comment. Hop, comme ça. Deux, 3, Hop, comme ça. 2, Ah oui, ok. Bon, on va en mettre comme ça. Hop voilà, et puis il nous en manque 1, 2, 3, 4. Donc voilà, c'est bon. Euh, ah oui, j'avais oublié, j'avais oublié. Euh, ça, on va mettre ça pour le moment ici. En plus avec les shaders, ça rend super bien. Donc je suis content. Hop ah, euh, oh, c'est trop beau regarder. Ah ouais, c'est trop beau. Euh, du coup... Du coup, hop, c'est déjà la nuit mais c'est pas possible j'ai pas été récupéré de j'ai pas été récupéré de terre parce que j'ai pas trouvé de, de crotte je me suis dit on va plus s'attaquer sur un truc aujourd'hui et euh, on, on fera autre chose la prochaine fois parce que il faut qu'on avance un petit peu quand même donc ça je vais récupérer ça aussi, ça aussi là et ça euh, du coup du coup maintenant on va prendre notre chisel notre bâton chisel là voilà il est là je vais prendre ça. Alors, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. On peut faire quelque chose de bien. On peut déjà faire des trucs du style euh, ça ou ça. Ça c'est stylé, je trouve. Donc, on va essayer un petit peu avec ça. Euh, également, est-ce qu'on peut faire d'autres choses avec les blocs on doit avoir ça. Mettre ça comme ça. Ah oui, on peut. Ah, ça c'est vachement plus stylé, j'ai l'impression. On va essayer. On va essayer un petit peu si c'est stylé ou pas euh, mais ça va être juste euh, de quoi pour l'instant faire la route euh, on va pas mettre tout le sol on va faire la route pour l'instant euh, en fait ce qu'il faudrait c'est faire une route donc on va faire genre ça 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 va être la route comme ça donc la route ça va être ça hop 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 euh, donc deux comme ça et deux comme ça donc ici celle-là ici celle-là. Donc pour l'instant on fait juste... On s'attaque juste pour la salle des coffres. Enfin, entre guillemets, la salle des coffres. Ça va être la salle des coffres pour l'instant. Et après, ce qu'on pourra faire... C'est ajouter... Je regarderai combien de... En tout, combien de... Comment vous dire ça Combien de statuettes on a besoin pour tout euh, simplement euh, faire... Euh, que ce soit... Euh, je suis mal à expliquer que, que ce soit. Enfin, euh, mettre tous les. What euh, tous les. Euh... Allez, j'y arrive pas à le dire. Les, les armures là. Les, les statuettes où on peut mettre les armures dessus. Euh, D'accord, je sais pas. Un porte-armure, je pense. Voilà. C'est peut-être bien comme ça. Euh, Est-ce qu'on met ça comme ça ou alors on change. Parce que je vous rappelle qu'il y a un objectif aussi qui est donc de euh, faire une structure avec le chisel euh, Mode. Est-ce que tout ici, on le fait pas avec ça Regardez. Avec ça, ça va être stylé. Euh, ah oui, non, mais en fait, il y a même là. Voilà, comme ça. Et il y a celui-ci aussi à faire. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux faire, mais. Euh... Je pense que ça doit être assez stylé. Je vais regarder aussi un petit peu. Est-ce que euh, ça y a moyen de changer ça Ah oui, par contre c'est pas très beau. C'est... Non, c'est pas très beau. Donc on va le garder comme ça. Hein. Et je pense qu'on va mettre... Euh, déjà pour commencer, on va mettre ça. Ici. Euh, ouais. Je sais pas c'est quoi le plus beau. Euh, tup 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 tup, euh, je vais regarder, regarder. Alors, hop, boum. Euh, ça... On va prendre ça, on va voir un petit peu si c'est le plus beau. Euh, ça doit être beau. Et pour les murs, je vais, je vais vous montrer un petit peu ce que je compte faire euh, pour les murs. C'est aussi du basique. Par contre, il va falloir aller chercher un peu de quartz pour les murs parce que j'ai envie de faire des, euh, des des murs assez variés. Donc voilà. Ça peut rendre bien, ça peut rendre bien parce que ça, je compte le mettre par contre partout sur le sol. Euh, voilà. Sauvegarder ici, évidemment. Euh, quoique, quoique. Ici, on peut mettre genre euh, un truc comme ça. Ouais, non, en fait, non, ça, ça va être grave chiant. Donc, on va mettre. Euh, on, on va peut-être peut mettre euh, un truc différent. Par contre, ça. En dégradé, c'est beau. Franchement, c'est beau, donc euh, on va garder ça comme ça. Donc je vais avancer un petit peu. Ah oui, pour les murs, je vais vous montrer parce que ça va être la dernière ellipse. Euh, après, on va s'en arrêter là. Euh, donc, ce qu'on va faire, c'est que pour les murs, hop, hop, hop. Je, je casse déjà quelques trucs. Mais euh... alors, ce qu'on va faire pour les murs, c'est que euh, je compte faire par exemple ici des pylônes d'eau. Pourquoi pas, ça peut être cool, hein, avoir de l'eau ici qui, qui descend, avec euh, genre euh, je sais pas, peut-être du quartz qu'on met de, euh, qu mettra derrière avec ici une lampe. Ça peut être intéressant. Euh, et également, donc on va déjà commencer à les mettre. Hein. Hop voilà. Et euh, ce qu'on se fera aussi. Hop, voilà. J'ai assez de poudre, donc c'est bon. Hop, voilà. Euh, ce qu'on se fera également, c'est après, ça doit, euh, je pense qu'on va faire un truc comme ça. Alors je vais vous montrer. Euh, on, on fera de l'alternance, c'est-à-dire qu'on mettra, donc on mettra pardon, un mur euh, d'une sorte, un mur d'une autre sorte, ou même deux murs d'une autre sorte, et puis un mur d'une sorte, un truc que ça régule en fait. Donc je vais regarder un petit peu. Est-ce que comme ça, ça peut ah Ouais non, ça va pas être stylé. Euh, Est-ce que comme ça, alors je vais vous montrer. Hop, comme ça. Euh, alors, par exemple, si on casse comme ça, on coupe 3, 3, euh, 3 ici. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ouais, comme ça, ça va être beaucoup mieux en fait. Euh, donc, on fera du 3, 3, 3. Et ici, il y aura genre des pylônes. Euh, bah, à mon avis, ce sera à peu près pareil que ce qu'il y aura eu ici. Euh, et comme ça, ça fera assez beau. Alors, euh. Voilà, ouais, je pense qu'on va faire ça comme ça. On va faire ça comme ça. 3, 3, et voilà, c'est tout. Donc, ici, 1, 2, 3, 3, et voilà, c'est tout. Donc, voilà, je me disais qu'un petit épisode euh, décoration, ça pourrait être sympatoche. Donc, euh, voilà, alterner un petit peu aventure, décoration, aventure, décoration. Je pense que ça peut le faire parce qu'il faut quand même avancer, entre autres, sur la maison. Donc, euh, il le faut, il le faut, c'est. Comme ça. Donc euh, je continue à avancer un petit peu, surtout à faire les choses redondantes et on se retrouve pour la fin de la vidéo où je vais vous présenter un petit peu ce que j'ai fait et où on va continuer euh, rapidement euh, quelques petites choses ensemble. Et on va finir tout simplement euh, bah, le petit design. Alors regardez, j'ai déjà avancé un petit peu sur le truc. Euh, j'ai déjà regardé un petit peu comment j'allais faire. Et voilà, regardez un petit peu ce que ça va donner. Ça va donner une, une impression assez belle, je trouve. Alors on mettra des torches, hein, bien sûr. Euh, mais alors ça, je vais le récupérer parce qu'on va faire une source infinie tout simplement. Euh, donc voilà. Donc ça c'est fait au niveau des coffres. D'ailleurs j'en ai recrafté 4. Euh, histoire de pouvoir finir la pièce tout simplement. Donc voilà, on en a la... Là, là. Et ici, voilà donc ici tous les coffres sont donc finis. Euh, J'aime bien le design avec euh, le marbre. En fait, c'est du marbre que j'ai trouvé. Et euh, du coup, bah, je me suis dit, peut-être essayer de faire un petit design avec ça. Et hop, on va prendre donc ça. C'est un peu pareil. Bah oui, voilà, c'est ça. Donc euh, en fait, j'avais dit 3, 3, 3, c'est 3. Enfin, euh, c'est 2 si vous voulez. 3 et euh, 2, entre guillemets, voilà. Avant, avant, ça, mais bon, de toute façon, ici, ça compte quand même euh, pour une place euh, entre guillemets. Donc voilà, comme ça. Euh, ici, ce qu'on va faire pour le mur, c'est qu'on va ne pas changer avec la cobblestone euh, d'ici, en fait, la cobblestone chiselée, si on peut, si on peut dire cette expression. Euh, en fait, on va mettre voilà de la cobblestone comme ça, et en fait, ça fait vraiment très beau, je trouve. Euh, on n'a pas besoin de, de s'embêter plus. Euh, ça fait vraiment beau du coup, euh, je vais pas chercher un autre matériel parce qu'en fait, c'est vu que je le trouve déjà beau de base. Ça me sert à rien de, de prendre autre chose, tout simplement. Hop, euh, et hop, ces coffres qui sont un petit peu chiants. Du euh, coup, du coup, du coup, du coup, hop, on va continuer ça. On va le finir ensemble d'ailleurs. Hop, hop, hop. Et en plus, c'est facile. Comme matériel, c'est facile. Il suffit de casser des murs. Regardez, et j'ai encore un stack. Donc on va le faire. Hop, voilà. Et c'est le deuxième. Euh, du coup, on prend et on remplit. Regardez, ça fait quand même assez joli, je trouve. C'est ouais, beau. Ça fait un peu euh, ancien, mais pas trop c'est ça qui est bien ça fait un peu forteresse ou je sais pas non ça fait ouais ça fait beau je trouve c'est moi j'ai trouvé ça beau du coup je me suis dit on va le mettre comme style euh, au niveau de l'intérieur au niveau du toit par contre ça j'ai pas vraiment d'idée tout simplement parce que euh, je compte le laisser à part ça évidemment que je change mais sinon je compte euh, le laisser euh, bah voilà comme ça ou peut-être mettre euh, ça ça pourrait être beau, je sais pas. Je sais pas, faudrait vraiment que je teste en fait pour voir si ce serait beau ou pas. Euh, du coup, on va mettre maintenant de l'eau. L'eau elle va elle va tomber d'ici. Ou oh, alors peut-être de la lave. Je sais pas ce qui serait le plus beau. Est-ce que c'est de l'eau ou de la lave Parce que de la lave, c'est vrai que ça pourrait être plutôt je, sympa aussi. Donc euh, ok c'est bon. Hop j'ai pas cassé la source. Donc euh, je sais vraiment pas. Euh, et puis je sais pas s'il y a des bugs au niveau de la lave. Euh, du coup, du coup, du coup, l'eau pour l'instant c'est beau, mais euh, après on verra ce qu'on mettra. Hop, voilà, et voilà. Mais le truc c'est qu'en fait il n'y a pas assez de luminosité. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je pense mettre un truc comme ça à chaque fois. Donc au milieu, mettre euh, une torche, ou alors on pourra même, euh, pourquoi pas, créer par exemple des lampadaires à l'intérieur. En, enfin, entre guillemets, mais, par exemple sur euh, un mur, faire euh, genre une lampe attachée. Mais en fait, c'est vraiment très beau. Euh, je vais vous montrer. On va finir ça ensemble. Comme ça au moins on aura déjà fait pas mal de petites choses enfin, on aura on aura au niveau de, des coffres avancés et on aura notre pièce euh, notre, euh, notre sous-sol donc on va l'appeler le sous-sol parce que euh, j'ai pas envie de l'intituler la salle des coffres ça voudrait dire que obligatoirement il y aura des coffres Donc on va l'appeler le sous-sol comme ça euh, on pourra mettre ce qu'on veut quand on veut en fait à l'intérieur C'est vraiment on, on met ce qu'on veut euh, Ça peut passer euh, bah, des coffres Comme ça peut être très bien une chambre ça peut être très bien une pièce où on met les trophées entre guillemets, hein, je dis ça comme ça Mais donc voilà, euh, regardez, je trouve que ça fait vraiment beau euh, On va tirer ça Ah oui, et maintenant, donc il y a quelque chose que je voulais faire C'était Alors changer ici Et le mettre par euh, bah, Je pense qu'on va mettre du marbre tout simplement euh, Du coup voilà C'est pas grand chose mais en fait C'est comment dire C'est les petites choses les petites choses font vraiment de... Enfin, les petits détails rendent vraiment très beau le jeu. Donc moi, je fais toujours attention aux petits détails. Euh, c'est pareil pour dans la vie, si vous voulez des conseils. Voilà. Tout, tous les petits détails peuvent embellir votre, votre vie, entre guillemets. Donc euh, ici, je trouve que les petits détails, euh, c'est très important au niveau de la décoration, hein, euh, évidemment. Si, si vous creusez un, un builder, ce que je ne suis absolument pas, il, il va vous dire, à mon avis, que c'est aussi très, très important. Donc voilà. Euh, donc... On met ça et je vais donc tout simplement mettre euh, ça comme ça, de, du blanc. En fait, je voulais du blanc, mais vu que c'est plus blanc-gris, euh, ça le fait quand même. Hein. Franchement, en plus, c'est en accord avec tous les blocs qu'on a mis déjà depuis tout à l'heure euh, à l'intérieur. Donc, hop, comme ça, comme ça, comme ça. Et euh, en fait, tout est bon. Voilà, on peut, on peut commencer à tout remplacer. Hop, hop, hop. Et je me demande est-ce qu'on pourrait pas nous mettre une torche euh, à chaque coin genre ici 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 Et ici En fait avec le shader c'est un peu plus sombre Mais je trouve ça vraiment ouais, franchement c'est beau Ah oui franchement c'est beau euh, Je sais pas ce que vous en pensez mais dites moi un petit peu en commentaire ce que vous en pensez euh, Moi je trouve ça vraiment très beau d'ailleurs je vais faire un screen voilà euh, Je trouve ça vraiment très beau Et puis euh... Et puis voilà, je pense que j'ai réussi ma petite mission de la journée, c'est-à-dire de faire une belle petite maison, euh, enfin de faire une belle petite pièce au sous-sol. Voilà, merci à tous du coup d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve donc très bientôt pour de prochaines aventures, pour euh, continuer euh, sur euh, cette map, et du coup on se retrouve un petit peu plus tard. Allez, je vous dis à très bientôt, et passez donc une très bonne soirée. Salut à tous